Bonjour Stéphanie. Alain, tu es professionnel de la coiffure. Oui, tout à Tu fait. exerces au sein du salon Robin Gauthier à Saint-Joseph. Nous avons Ingrid. Ingrid qui a un problème d'audition. D'accord. Ingrid, elle a 19 ans. Elle est très tendance, elle aime s'occuper de ses cheveux. Et elle se rend compte souvent que lorsqu'elle va chez le coiffeur, elle a du mal à se faire comprendre. Et je crois que vous avez une spécificité à nous faire découvrir au sein de votre salon, de votre équipe. Qui est en rapport justement avec ce problème d'audition. Tout à fait, Ingrid. C'est vrai que c'est un problème récurrent pour une personne sourde et malentendante. Se faire comprendre quand on veut une coiffure, c'est difficile. Et c'est difficile aussi pour la personne avec qui elle en va face, essayer de toi en faire comprendre. l'occurrence. Oui. C'est pour ça qu'ici à Saint-Joseph, on a choisi en fait d'être accessible aux sourds et malentendants. On a tous une formation basique, mais qui se rapproche de la coiffure. On est tout à fait capable de donner un accueil parfait à une personne sourde et malentendante, aussi bien qu'à une personne entendante. Je vous rappelle, les filles, que donc nous avons la question d'Ingrid. Le problème d'audition, c'est pas forcément un problème de naissance. Ça peut être dû à une maladie, ça peut être dû à... Et tout le monde peut être amené à avoir un problème d'audition. Ça peut arriver du jour au lendemain. Et tout à fait. Et nous sommes en 2013, toutes les femmes vont chez le coiffeur. C'est quand même très important de pouvoir se faire comprendre. Alors, le choix de sa couleur, le choix de sa coupe. Exactement. Et là, en fait, donc ton équipe est formée à pouvoir communiquer dans le langage des signes, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à D'accord. fait. Et comment vous en êtes arrivé à là? On est parti donc de ce constat et j'ai la chance d'avoir un associé qui est interprète en langue des D'accord. signes. Donc il vous a donné des cours? Il nous a tous formés, exactement. Sur notre site internet, nous faisons mensuellement des articles. Chaque mois, ça va être des conseils pour la coiffure, ça va être l'offre du mois. Tous ces articles sont accessibles aux sourds et malentendants, puisque chaque article est traduit en langue des signes par D'accord, notre partenaire donc accessible à tout le monde. Juliette. Oui.